d'informations auprès de Rocky Gold, toute son actualité, en quelques minutes seulement. Ça va, Rocky Gold? Oui, ça va très bien. Tu ah, je suis contente de te voir, ma chérie. Moi aussi, j'ai une cartonne en ce moment, mais pas que toi, sur Nostalgie et dans la ville, on ne parle que de toi, ma chérie. Ah ouais. Je commande partout, Rocky Gold. Bon, la ramène pas, faut pas rajouter deux couches, quoi. Mais tu vas bien, ça, non? Tu vas bien? Oui, je vais très bien, super. D'accord. Aussi, pour vous, ça marche plutôt bien. Oui, ça va, ça va. J'ai eu quelques tournées, voilà. Mais je suis en plein live, là. En plein répétition de live, et tout. Voilà, le sport et tout, ouais. Donc c'est ça ton quotidien, activité sportive, initiation au live. Au live, oui. Alors depuis tout ce temps, tu chantes avec programmation musicale. Oui, bon, je sais pas comment t'expliquer. Il y a déjà le talent de Dieu qui est là. Voilà, j'ai pas besoin de trop attendre avant de faire le live, voilà. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Le prochain sera... Je vais beaucoup chanter, voilà. Je vais entrer dans mon registre, R&B, ce que moi je veux faire, et plein de surprises. Alors, ce que j'aimerais aussi savoir, Rocky Gold, aujourd'hui tu es au top de la musique, tu as aussi des ouvertures en termes de spectacle et tout ça, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Il y a des ouvertures, il y a plusieurs spectacles à faire, plusieurs tournées en France et tout. Mais pour le moment, comme je te dis, je bosse beaucoup. Voilà, il faut bosser dans la musique, il faut montrer que tu es capable de faire du live. Parce que c'est le live. C'est ce que moi j'ai remarqué. Même mes frères nigériens, au Nigeria, aux États-Unis, c'est du live. Est-ce que tu t'habitues à cette vie de star, finalement? Parce que toi, Rocky Gold, tu es plutôt quelqu'un de timide. Voilà, tu viens d'un univers qui n'est pas forcément musical et tout. Donc, est-ce que tu t'habitues finalement à tous les projecteurs et à tout le star system? Oui, ça va un peu. C'est pas comme au début là, oh, c'était trop. Même je ne pouvais pas devant 4 personnes. Mais là, ça va, ça va. Au fur et à mesure, chaque jour, quand tu es dedans, quand tu es dans le mouvement, ça va. Tu t'habitues. Et tes compositions aujourd'hui, c'est quoi les sujets qui t'intéressent, les sujets que tu aimerais ramener dans ta chanson? Là, je sais que dans Otikoko, tu parlais de relations un petit peu interdites. Oui, là je vais un peu sur les relations, le love, quoi. D'accord. Le love, ouais. J'ai un lover en ce moment ou pas? J'ai un lover en ce moment ou pas? J'ai pas de... je suis single. Pourquoi? C'est ta carrière musicale avant tout? Il ne faut pas que je me dise que je suis déjà arrivée, même pas du tout. Parce que tu n'es qu'au commencement. Je suis au commencement, ça, tu le sais. Je le sais. Je dois beaucoup travailler, j'ai beaucoup de choses à revoir. Papa, maman en fierté, évidemment, exprimé ou pas? Oui, ils sont très contents. Là, comment ils te le disent alors? Et je suis toujours en famille. Moi, je suis toujours en famille, j'ai pas envie de laisser maman. Voilà. Et tu chantes toujours en yoruba, tu parles combien de langues? Je parle yoruba, l'anglais, le français. J'ai juste un peu de togo parce que ma maman est d'un côté de là. Tu t'inspires de qui en général dans tes chansons? Vu que tu es nigériane et qu'on sait que le folklore nigérien est très riche et que quand ça s'exporte dans la chanson moderne, c'est très joli. Oui. On veut pour preuve Tiwa Savage, Ice Prince, Yemi Alade et tout ça. Alors de qui est-ce que tu t'inspires? De cette ressource traditionnelle là? Ou voilà, explique-nous. Vraiment, je peux te dire, je m'inspire de moi-même. Voilà, c'est vrai que j'aime tout écouter, j'aime pas copier. Voilà. Ce que je peux dire peut-être, c'est mon dernier clip là, qui a été fait un peu, voilà, mais j'aime pas copier, Si tu remarques, depuis, il y a quoi dans Jalousie, il y a rien fait comme moi, j'ai pas copié, c'est mon style propre à moi. J'aime beaucoup Tiwa Savage, je l'adore.
Lili Alade, Flavor, ainsi de suite, il y a un jeu que je parle. D'accord. Moi. Et je parlais de folklore nigérian assez riche quand même, assez diversifié. Et moi, je trouve assez original quand même. Est-ce que ça aussi, ça peut être une source de d'inspiration pour toi? Oui, oui. Dans mes débuts, je chantais beaucoup en langue. Merci Rocky. De rien. On te laisse aller travailler, ma chérie. En tout cas. Moi, je suis Bimbang.